Alors ça y est, il est 19h22 et pour terminer cette demi-heure en beauté, c'est au tour de Bernet de prendre la parole. Salut. 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 Ah, toi ? On se gèle un peu les meules, hein. Ils sont où nos mécènes, on se demande. Bon, on y va. Donc oui, aujourd'hui je vais vous parler de, comme je l'ai dit en début d'émission, de la chasse. Mais d'abord, avant de commencer la dite chronique, je voudrais revenir sur un truc qui s'est passé il y a quelques semaines dans le sous-marin. Et ça parle de toi, monsieur Quentin. Oui, bah oui, je vois. Passer à l'extrême. Bernet n'est pas là ce soir, donc il va bien falloir que je prenne la relève et que je fasse quelques petites piques un peu engagées dans lesquelles je me mets en scène avec une voix légère et suave. Mais alors, ah, mais j'assume alors totalement, j'assume. Alors chaton. Comme ça on me clash quand je suis pas là, c'est ça. Ah, il suffit d'un mardi où je suis absent et ça y est, monsieur Quentin fait le pan, hein. Et bah très bien, hein, si c'est la guerre que tu veux, mon ami, allons-y gaiement. Bon, en soi, je t'avoue que je t'aime de trop pour rentrer dans ce petit jeu, tu sais, des clashs de titans. Hein. J'aurais pu dire, ouais, on aurait pu se clasher sur le nombre de vues, des vidéos et tout. C'est balancer un petit... Comment tu t'es fait sécher ? Allez, toi dans ta honte, va, petit monsieur. Mais bon... Ça aurait été un petit peu puéril, et puis bon, les privés de jokes, ça suffit un petit peu. Donc j'ai opté pour un clash qui serait un petit peu plus éducatif, ouais, en te racontant une petite histoire. Donc voilà, ceci est une Calliopeidrix voilà. Donc là voilà, donc c'est une perdrix en somme, voilà, de la sous-famille des perdrinacées, un animal très commun dans nos forêts et nos bocages d'Europe. Donc celui-ci est empaillé, hein, pas de panique, il va pas te sauter au visage. Donc voilà, cette petite perdrix a été tuée par le grand-père de ma coloc dans les années 60 avec un fusil de chasse, calibre 12, avec un très très long canon, et je sais très bien de quoi tu parles, et qui se recharge balle par balle, hein, quand on l'ouvre. Hein, donc après on peut le charger avec des balles ou des sales blagues sur les collègues par exemple. Donc voilà, cette perdrix a été tuée avec ce fusil pendant qu'elle batifolait tranquille dans la garrigue en faisant des trucs de perdrix, donc à savoir manger des graines ou regarder l'eau qui coule, enfin bref. D'ailleurs je sais même pas c'est quoi le bruit d'une perdrix. Je sais pas non plus, je suis pas c'est un spécialiste des oiseaux. Tu veux dire le nom du... Non, le cri, et après je viens de nom. Un truc genre... Oui, ça, ouais. Et ça fait quoi une perdrix, ça... Ça racaquette. Ça racaquette, quoi. Donc voilà la perdrix qui racaquette, qui était tranquillement en train de batifoler. Et puis d'un coup, bah, bam, quoi, le coup est parti. Donc je pense que tu as compris l'histoire. Je suis en fait la perdrix et toi, tu es le fusil. Donc ça m'a fait mal, hein, Quentin. Hashtag choqué déçu. Donc vis avec ça maintenant. Mais maintenant que tu sais que j'ai un fusil aussi, tu vas peut-être me calmer. Te calmer. Parce que la prochaine fois, je vais pas te louper, gamin. Hein. Voilà. Donc trêve de galéjade, hein, l'avantage d'avoir cette petite perdrix et de parler fusil ce soir, c'est que la transition est toute trouvée, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la chasse. Allez, musique. Voilà, <c'est... rire> ça fait un peu mal. Ça tombe bien, vu qu'on parlait de Groland en antenne. Absolument, tout à fait. C'est bon, tu peux couper parce que c'est un petit peu chiant. Voilà, donc aux dernières nouvelles, notre cher président s'acoquine avec la communauté des chasseurs, hein, parce que bon, salon de l'agriculture oblige, fallait bien que le boss final de la startup Nation montre que c'est bien un enfant du pays qui connaît bien la ruralité, hein, histoire de tenter de s'enraciner dans les campagnes. Donc Macron est favorable à la chasse et à tout type de chasse, hein, donc et bien entendu la chasse à cours, hein, qu'on appelle la vénerie, hein, pour les connaisseurs, qui est déjà interdite dans pas mal de pays d'Europe d'ailleurs. Donc je vous passe les détails du pour qui, pourquoi la chasse à cours c'est de la merde, parce qu'il y a déjà internet pour ça. Et à savoir que même Nicolas Hulot en fait n'aime pas du tout la chasse à cours, mais visiblement Macron lui a dit, écoute mec, tu retournes dans ton usine vendre des shampoings, parce que la chasse c'est issu d'une longue tradition française et c'est pour ça que c'est bien. Donc il y a aussi le suçage de boules qui est issu d'une très très longue tradition française, parce que là franchement ça se voit tellement qu'il cherche juste à récupérer des voix de la campagne, hein, mais bon, il n'y a pas que ça, puisque monsieur veut aussi réinstaurer la chasse présidentielle au château de Chambord, qui avait été donc voilà, la chasse présidentielle avait été plus ou moins arrêtée par Chirac à l'époque, vu que ça avait été remplacé par des grandes battues républicaines. Donc en gros, ce qui se passe, je sais même pas ce que c'est. La battue républicaine. Donc en gros, ça se passe comme ça. C'est dès que t'as trop de cerfs, trop de sangliers ou trop de lapins dans le domaine en fait de Chambord, et ben tu te dis, je dois être acteur moi aussi de la biodiversité, et on leur défonce bien la gueule. Voilà comment ça se passe. Et pour les chasses présidentielles, donc je vous explique vite fait, c'est très simple, c'est juste une grosse partie de chasse avec tout plein de gens hyper importants. Donc tu reçois des hôtes prestigieux en plein air.
mercenaires avec des fusils, des corps de chasse, des chiens et puis de la bonne bouffe pour parler à corps et aussi diriger le monde. Donc en somme, un gros truc de gros bourgeois qui est bien tiré de l'ancien régime avec en prime de la souffrance animale. Donc voilà, après traitez-moi de sale bobo gaucho vegan si vous voulez, je vous emmerde. Mais vous avez de la chance parce que je n'ai pas le temps de parler des animaux et de leur malheur aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis très content que l'État va peut-être probablement financer des grandes parties de chasse à Chambord pour le plaisir de l'apparat et de la tradition, hein, tout ça pour une petite caste de privilégiés. Mais bon, c'est vrai que le retour des chasses présidentielles, c'est un sujet très urgent en France, hein, mais bon. Aujourd'hui, j'avais oublié que le bling bling et la rentabilité, ça prime toujours sur le social. Donc, on a bien compris que Macron cherche à se faire des petits partisans, mais ce retour à la chasse présidentielle juste pour faire briller la France à l'étranger, parce que c'est une tradition nationale encore, enfin voilà. Je sais pas trop ce qu'il en ce moment, mais il y a un truc qui est clair, c'est qu'il est en train de nous faire une sorte de fixette sur cette idée de sentiment national, national, le drapeau, Jeanne d'Arc, la Gaule, De Gaulle, tous ces trucs-là. Puisque, en fait, il est aussi bien chaud en ce moment pour remettre une sorte de service militaire slash national encore. Et encore, c'est national, mais casse les couilles avec ça. Je crois qu'il a pas encore compris, en fait, que pour avoir de la cohésion nationale et sociale, il y a juste à gagner la Coupe du Monde, hein, le reste. Mais bon, voilà, on sait pas trop à quelle sauce on va être bouffé pour l'instant avec ce truc de j'ai oublié de quoi je parlais en plus, de... La chasse de, non, pas de la chasse. Ah, le service militaire. De, voilà. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour ce putain de service militaire slash national. Donc voilà, je vais pas trop en parler maintenant parce que j'ai pas commencé à le tacler, mais bien entendu, je l'attends de pied ferme puisque j'ai déjà pas mal de petites punchlines en tête pour lui. Donc je vous dis juste que voilà, quand t'as un gouvernement qui commence à être un petit peu trop national, un petit peu sur le drapeau, tout ça, généralement ça n'augure rien de bon, hein. Ça commence comme ça et puis après c'est le parti unique et puis après on est bien dans la merde. Et ah, on vient de me dire au casque que le parti unique ça existait déjà, ça s'appelait En Marche, d'accord. Bon après, on a le temps de le voir venir, hein, mais il faudra quand même penser à se réveiller parce que ça commence à dober un peu du cul cette histoire, hein, telle une perdrie à l'ouverture de la chasse. Je crois que j'ai bien saisi l'idée qu'on va se prendre quelques plombs au cul si on ne se décide pas à le bouger. Allez, ciao. Merci beaucoup Quentin, et merci à ta caille aussi. Hein. Ça s'appelle Muriel. Bird up. Bird up. Bird up.